Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la boîte à prémonition qui a fait son apparition il y a quelques jours déjà sur Destiny. Donc cette vidéo sort avec un petit peu de retard, nous étions partis en vacances, mais je tenais quand même à vous la faire puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé à quoi cette boîte pouvait bien servir. Donc je vais vous donner mon interprétation et ce que je pense être tout simplement l'explication à ce petit cadeau de Destiny. Donc cette boîte à prémonition, comme vous le savez probablement tous déjà, se trouve à la tour dans la zone où se trouvent tous les petits cadeaux, et lorsque vous l'ouvrez, cela vous débloque en plus d'une carte de grimoire un item du nom de note de prémonition. Donc lorsque vous allez dans votre inventaire et que vous vous rendez sur cet item, vous pouvez apercevoir une citation, la mienne étant « Vous détruirez votre passereau à grande vitesse ». Alors je vous conseille de ne pas la supprimer, même si cette note semble ne servir à rien dans un premier temps, elle sera peut-être utile prochainement dans le jeu Destiny, comme ce fut souvent le cas précédemment avec des items livrés à l'occasion d'événements dans Destiny. Donc comment faut-il interpréter cette boîte de prémonition? Eh bien il s'agit tout simplement du célèbre Christmas Cracker, qui est tout simplement une papillote emballée de papier cadeau cartonné qui arbore les couleurs et les motifs de Noël et que l'on trouve présent pour chaque Noël dans les assiettes des invités. Donc c'est une tradition anglaise tout simplement dans laquelle lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez trouver un petit chapeau, une blague, une devinette ou encore un cadeau ou une citation qui représente l'année à venir, d'où le terme prémonition. Donc et voilà, il s'agit tout simplement d'une tradition anglaise, une petite citation qui vous est livrée à l'occasion des fêtes de Noël et qui doit normalement représenter l'avenir de la prochaine année à venir. Donc il s'agit encore là d'une petite anecdote, d'un petit easter egg entre guillemets caché dans le jeu Destiny. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir puisque Destiny semble mettre l'accent de plus en plus sur les petits secrets, les petites anecdotes dans le jeu. Donc le caractère assez sympathique de cette anecdote est surtout là, je pense, pour marquer le côté festif de Noël et des fêtes de fin d'année. C'est une façon en quelque sorte de marquer le coup et de vous faire une petite surprise de la part des développeurs. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle citation vous avez eue, ça m'intéresse de savoir un petit peu tous les petits mots qui ont été glissés dans ces fameuses notes de prémonition. Et au passage, toutes mes excuses pour cette petite voix de canard, je suis légèrement enrhumée, mais ça passera très vite, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !